Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de braquage sur GTA V. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de petite vidéo. On va s'intéresser aux petits braquages qui ont été ajoutés récemment sur GTA Online, mais cette fois-ci dans le solo. J'ai envie de voir ce que ça donne, parce que j'ai envie de voir la différence entre le solo et le online, si le modeur a ajouté quelque chose ou non. Et je trouve que c'est on va dire un petit mode qui est très sympathique. Déjà de base en online c'est un très bon ajout. Et en solo j'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu avec Franklin. J'ai pris la petite Oslo Jugular parce que je trouve que c'est un petit véhicule un peu masterclass qui n'est pas trop mis en avant sur GTA Online. Et franchement elle fait vraiment vraiment plaisir cette petite caisse. J'aurais pu prendre un véhicule modé mais je me suis dit on va la faire un peu avec des véhicules du jeu. Donc let's go, on est parti. Déjà son bruit je l'avais oublié mais il est quand même bien sympathique. On va regarder sur la map, on a juste ici un petit braco, en plus c'est juste à côté de chez Franklin. Let's go, on y va. Donc on a mis la cagoule. Fous ta cagoule mon gars, et on y va, on va voir ce que ça va donner. Donc GTA 5 sur PC modé avec un mode graphique, hein, bien entendu. Pour ça que le jeu est aussi lumineux, aussi détaillé un peu différent du jeu de base. Donc on va voir ce que ça va donner. J'avais oublié que c'est le jugulaire, elle avait un bruit. C'est son bruit d'origine ça? Il est malade son bruit d'origine. Où est-ce que je vais garer ma caisse? Je vais la garer là. Aïe. Je vais la garer là, je vais la garer là. Et on va voir comment ça se passe pour rentrer dans le truc. Je vais prendre un petit Uzi. Tac, tac. J'imagine que... Oui, c'est là. C'est là, c'est là. Let's go. Ok. Je rentre dans le bâtiment. Donc, il y a deux petites entrées différentes. Wow! Toi, t'es pas censé être là, toi. Bon, pour l'instant, j'ai pris zéro, hein. Par contre, les intérieurs ont l'air... Les intérieurs ont l'air très semblables. Ok. Ah! Qui me tire dessus? Eh, tu meurs jamais, toi, ou quoi? Ah, là, par contre, le petit tas de billets, j'avoue. Ah, c'est de la cocaïne! Bah alors, Franklin? Ah ouais! Là, c'est pas les mêmes tarots, là. On est à 200 000. Quoi? Je vais faire un cambriolage, je sais pas combien de mille. Je vais faire 1 million, là. Oh, c'est stylé! Petite animation et tout, là, hop, tout glisse dans le sac. 266 000. 280... En vrai, je devrais être à plus que ça, hein. 300... 313 000 dollars, les gars. Wow! Là, mon gars, c'est du braco, là. Ah oui! En plus, là, je suis dans un petit bâtiment. Comme ça, ok. Hop, hop, hop. Oh non, moi, je vais sortir, hein, bien entendu. Hop. Ah, je sors par là, merde! Bon, bah, ça va, il s'est passé sans encontre, ce petit braco, là. Par contre, j'aimerais bien me barrer. Je me suis embrouillé tout seul sur... Voilà, hop, hop, hop. Cambrioleur un peu Yamakasi. Let's go! Tirons-nous, tirons-nous. Ah, il est pas mal, parce que là, mon gars, son petit mode, on gagne quand même... Ah, j'ai encore niqué la caisse. Donc, il y a quand même pas mal d'oseille. Hein. Ça vaut quand même le coup, je vais dire, entre guillemets. Ouais! Pourquoi il me dit encore cambriolé là? Oh merde! J'ai déjà tout cambriolé, moi, non? Peut-être qu'il y en a encore un autre. Celui-là, j'étais rentré par là tout à l'heure. Là, c'est la sortie, c'est la même, non? Ah, il y en... Ah! Il y en avait encore un autre! En fait, il y a deux sous-sols dans la même maison, quoi. Probable. Les gars. Moi je voulais me barrer à la première, mais en fait non, il y en avait deux. Toc 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 toc. Là c'est quoi? Ah là c'est des dollars là. Là on parle en ce que j'aime là. Hop. Ah non, c'est de la weed. Autant pour moi. Oh, ah ouais, non, d'accord, ok. C'est pas du tout les mêmes bracos que sur le solo là. Hein. Ah bah là c'est pas du tout gagne 20 000. Ah ouais, non, là c'est. On a passé les 500 000, hein, le demi-million. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien quand c'est comme ça, moi. Tac. Ouais, presque 600 000. Hein. Hop. Ok, leave. Donc, quitter, si je dis pas de bêtises. Hein. Enfin, on se barre, t'as capté. Il faut qu'on se tire. Donc là, c'est bon, là. Ok. Ah, merde. Ah oui. Ah oui, il y a des étoiles, là. Ah oui. Ma voiture, elle est pas par là, ma voiture. Wow. Vite, Franklin. Il faut se barrer, là. Range ton Uzi. C'est pas le moment. Oh. Ça va être tendu à mort là. Il y a des flics déjà qui sont presque complètement sur mes côtes. On va se barrer par là. Bon, maintenant on va essayer d'échapper aux flics.
Quand même, les gars, encore une fois, je le répète, mais là, le mode, il fait plaisir hein, quand même. Hein. Le petit braquage qui met bien comme ça, là. Si tu veux te faire un RP en mode solo, juste tu te mets des petits bracos comme ça et de temps en temps, tu fais ça avec Franklin. Et dès le début du jeu, tu peux te faire une save, on va dire, plutôt legit, en mode tu joues à l'histoire normale. Et de l'autre côté, de temps en temps, tu fais ce petit mode-là qui te permet de te faire un bon petit paquet de thunes et de t'acheter ce que tu as envie de t'acheter. Bon, vous connaissez l'endroit où on va aller. On va toujours se barrer par là-bas. De toute manière, il n'y a que ça de vrai. Hop, on passe là, comme dans le braco avec les crosses. Non, même pas, c'est les bâtis 801. Hop, hop, hop. On va dormir ici 2 secondes. Regardez-moi cette belle petite voiture là. Faudrait que je me la rachète sur GTA Online parce que franchement, je sais pas si je l'ai encore, mais elle est incroyablement stylée cette petite caisse. Il y a de la vie là-bas, attends, je vais la chercher. Hop. Je pense que j'ai quand même, entre guillemets, 2 secondes à moi. Merci GTA. Dis pas qu'il y a un condé qui rentre dans. Mais oui, ils sont trop vifs eux. Lose the cops. T'inquiète pas, on va les perdre les flics. Et voilà, Heist passed. Quoi, j'ai gagné combien? Par contre, j'espère que c'est pas toujours la même maison. Ce serait bien que ça change un petit peu. Histoire 2 quand même. Mais en tout cas, je sais pas si ça va être tout le temps la même maison. Mais si c'est que un unique, il paye 20 fois plus que les autres, hein, même plus que ça hein. Que là j'ai gagné une somme d'argent assez décent, enfin indécent. Ça me dit qu'il y a encore la maison là-bas à braquer sur ma gauche. Je vais aller à la maison de Franklin. En tout cas, je sais pas si ça aurait été l'unique braco de cette vidéo. Ça serait dommage qu'il n'y ait qu'un intérieur. Mais bon, hop, on va rentrer l'auto ici. Tac, tac, ok. Putain, j'ai encore le sac de braquage sur moi quoi. Ah, peut-être que j'arrive à enlever ça. Hein. Pas terrible ça. Hop, regarde Franklin. Il a été faire son petit cambriolage. Ah bah là, c'est un vrai cambriolage, là. Oh, oh, oh. Vêtements, hop, hop, hop. Hop, et voilà, regarde, c'est quelqu'un de tout à fait normal, Franklin. Qui n'a rien à se reprocher. Regarde-moi ça, la vie est belle, le Santos c'est beau. On va dormir un petit peu et on va le refaire après dans le doute, histoire de voir, tu vois, quand même, qu'on puisse voir si on est des différents intérieurs ou différentes choses à prendre, tu vois. C'est quoi, on va regarder la voiture au même endroit, j'en ai rien à foutre, on change pas une équipe qui gagne. Oh, merde. A chaque fois, je me fais avoir ici. Donc, ça me dit que j'ai volé 0, c'est normal. On va commencer par celle du fond. Et après, on fera l'autre. On va y avoir encore le frangin qui va être dans les marches, là. Mais c'est un vagos. Tac, tac. C'est quoi, cette fois-ci? C'est toujours de la coke. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Ok, on a compris. Le butin fait plaisir à ramasser, tu vois. C'est satisfaisant, un butin comme ça. Donc la première case, enfin la première cache entre guillemets, c'est fait. Et comme il y en a deux dans une, c'est peut-être pour ça au final que le modeur a pas fait pop plusieurs endroits sur la map, ce qui est assez dommage. Salut frérot. Wouah. Ah ouais, bah là, pardon quoi. Bonsoir, bonsoir. Ah, des dollars, c'est ce qu'on voulait mon gars. Nous quand c'est de l'oseille, on est là. Ah. Là, je prends un malin plaisir à regarder l'animation tout doucement, là. Ah, là, oui. Là, oui, madame. Voilà. Là. Ah, c'est quand même... C'est quand c'est de la cocaïne ou de l'air, bon, ça me fait pas grand-chose. Bon, et dans un jeu vidéo, bien entendu. Mais en vrai, je préfère ramasser des billets, tu vois. J'aime bien l'animation de GTA où t'es un braqueur de... Tu ramasses du billet dans GTA. Tac, on va se faire la deuxième. Et après, let's go. Bon, c'est dommage que ce soit les mêmes endroits. Voilà, lui, il s'est mangé un taquet. Bon. Le truc qu'il y a, c'est que... La matière peut changer. Donc, tu vois, là, regarde, ça aurait encore des billets. Donc, c'est quand même une bonne chose, mais... On a capté. Pom-pom-pom-pom. Non, non, Franklin, c'est pas par là qu'il faut aller. C'est par là. Bon, franchement, si je pourrais dire juste une critique au mode... Peut-être un peu plus, il a fait assez simpliste dans le délire, même si c'est bien le fait qu'on ramasse autre chose que... Et surtout pour une vraie valeur, c'est satisfaisant je vais dire à faire. Mais aïe, là, je me suis fait mal là. Mais les intérieurs auraient dû varier, les endroits auraient dû changer et tout. Voilà, on a un petit peu triché avec les modes. Bon bah écoutez les petits potes, franchement ce fut un... C'est assez sympathique à faire. Bon là pour le coup c'est comme le online quoi, hein. C'est... Même là... Si ça paye vraiment, c'est assez simpliste. Je suis un petit peu déçu de ça, mais bon,
Le fait qu'on ramasse autant de pognon est un peu plus judicieux. C'est vrai que Rockstar aurait dû augmenter un peu les gains ramassés parce que bon, 30 000, bon, après tu peux les faire une fois par jour. Hein. Donc tu fais le cumul au bout de la semaine, c'est plutôt, on va dire, entre guillemets intéressant. Mais ça aurait dû être un petit peu du... Je sais pas, 50, 60 000 quoi. Ça aurait peut-être été un peu plus intéressant. Parce que généralement, à chaque fois, si je dis pas de bêtises, c'est 30 000 dollars à peu près, 25, 30 et on n'en parle plus quoi, au même 20. Mais bon, on va pas non plus se plaindre tout le temps, les amis. C'était Vince. Je voulais faire une petite vidéo mode comme ça où je joue, où je me détends tout seul. Ça fait plaisir un petit peu d'être en solo, surtout sur ce bon vieux GTA 5 PC modé, c'est très satisfaisant. C'était Vince, et j'ai vu qu'il y avait de nouveaux braquages de sortie, donc je vous en ferai certainement certains en vidéo dans pas longtemps. C'était Vince, prenez bien soin de vous. Moi, je rentre chez moi avec mon sac de braquage. Et oh, on va ranger ça malheureux, on va repasser par là. Et c'était Vince, prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et regardez-moi la beauté de GTA 5 sur PC. C'était Vince, prenez soin de vous et ciao tout le monde.